por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Je n'ai pas arrêté de penser à toi une seule seconde. Je t'aime avec la même passion que lorsque... Bon, lorsque je t'ai dit au revoir, tu vois. Cela fait 2 ans déjà. Je t'aime, Anna Julia, et je t'aime de toutes mes forces. Non, non. Non. Rinaldo, mais qu'est-ce que tu fais? Valéria. Je les ai vus. Corinna, je les ai vus. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Je les ai vus. Ne viens pas encore pour la même chose parce que tu sais ce que j'en pense. Corinna, je les ai vus. Mais tu as vu qui? Ah, Corinna, je les ai vus tous les deux. Rinaldo et Anna Julia, ils étaient là tous les deux. Ils s'embrassaient. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, Anna Julia. Ce qui m'arrive, c'est que je t'aime. C'est ce qui m'arrive. Mais à quoi tu penses, Rinaldo? Définitivement, tu es devenu complètement fou. Tu es devenu fou. Écoute. Pardon. Oh, pardon. Où est la demoiselle? J'ai une grande surprise pour elle, là, en bas. Je l'ai mise dans sa chambre, Rosa. Je viens juste de la coucher. Ah, pardon, je vais voir. Oui. Vas-y, vas-y, Rosa, vas-y. Et je m'en vais. Je m'en vais. Non, 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 non. Et j'espère que cet épisode vraiment désagréable ne se répétera jamais, Rinaldo. Désagréable? Franchement, je ne sais pas ce qui t'arrive. Anna Julia, écoute, écoute-moi. Non, 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 Rinaldo, non. Et je peux te conseiller quelque chose. Si j'étais toi, j'irais voir un médecin. Vraiment, parce que... Oui, peut-être, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison. J'ai peut-être besoin d'un médecin, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je ressens est sincère, Anna Julia, je t'aime. Je t'aime. Anna Julia, ce que je ressens est vraiment fort, d'accord? Si fort que je n'arrive pas à le contrôler.
Reynaldo, mais lâche-moi, s'il te plaît. Regarde-moi bien. Dis-moi que tu ressens la même chose que moi, ok? Mais réponds-moi du fond du cœur. M'aimes-tu autant que je t'aime? Il l'aime toujours, ma chère. Écoute, cet homme idolâtrait Anna Julia et tu devais le savoir mieux que quiconque, Valeria. Je ne comprends pas, ma chérie, pourquoi ça te paraît bizarre qu'ils soient encore amoureux d'elle. Ah, comment ça, bizarre? Comment pourrais-je ne pas souffrir? Je suis sa femme, mais bon, je lui ai fait une fille, j'ai accouché d'une fille. Une fille qui est à Anna Julia. Ne l'oublie pas. Charlie, j'ai trouvé cette chemise-là dans les toilettes. Il l'a laissée quand vous avez déménagé. Là, regarde. Ah, ma grande, mon père m'a... Il m'a fait très peur. Maintenant, j'ai comme un mauvais pressentiment pour André. Oh, bon. Ne t'inquiète pas, Charlie. Arrête de te mortifier pour ça. Laisse l'eau passer sous le pont. Laisse passer un peu de temps et on ira peut-être les voir. Et si mon père avait raison, Margarita? Si en réalité la famille de Sébastien connaît l'ennemi de mon père et... Plutôt que de protéger la vie d'André, ce que j'ai fait, c'est la mettre en danger. Ah non. Tu sais que si André restait par ici, il était véritablement en danger. En plus, écoute, tu as fait ce qu'il fallait faire. En plus, je sais que Roquet le sait, mais voilà, il croit qu'il peut protéger tout le monde. Je sais pas. Je ne veux même pas penser à ce qui se passera quand mon père arrivera à Caracas et qu'il exigera que Sébastien lui rende le petit. Je ne veux pas y penser. Oui. C'est chez toi. Fermez-la tout seul, super champion. Tu vois? Bien. Ici, mon grand? C'est chez toi. Alors tu peux courir, sauter et jouer autant que tu veux. Bienvenue chez toi. Non. Hey! Oh, Seba, c'est ton fils! Salut, mon poussin! Tu as bien grandi, mon cœur! Mais si, un petit blond très joli! Je suis aussi jolie que mon papa! Allô, beau chou! Oh. Alors, comment s'est passé ce voyage? Tu t'es bien comporté? J'ai une belle bouille, hein? Il est là, viens ici. Écoute, tu ne donnes pas la bénédiction à ton grand-père. Je suis ton grand-père. Oh, regarde! Dieu me le bénisse, qu'il le protège et le favorise. On va se changer. Viens, je vais le changer, car le voyage a été long et ma couche est toute mouillée. Donne-moi ça, s'il te plaît. Dis au revoir au papa et au grand-père. Allez, papa et grand-père, bye. Oh oui. Que lui est-il arrivé à celle-là? Ça t'étonne, fiston? Et voilà, Ce petit garçon séduit absolument tout le monde. Comment serait-ce autrement? C'est un gabaldon tout craché. Bienvenue chez toi, mon garçon. Merci, papa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cousine? Mais pourquoi dois-tu t'occuper de ce mini va-nu-pied? Ah, oh, cousine, ou je l'élève, ou mon mariage avec Sébastien se termine là. Une minute, tu as tes petites fesses à l'air. Mais pourquoi tu dois t'occuper de ça si tu n'en as pas envie? Je ne te comprends pas, non, je ne te comprends pas. Ah oui, d'accord, Sophie. Sébastien ne veut pas me pardonner que je lui ai caché que cet enfant était son fils. Je dois désormais me charger du mioche, tu comprends? Pardon, mademoiselle. Oh, je vois quelque chose de très étrange ici. Oh, mademoiselle Paola, pardonnez-moi, mais vous êtes comme... Vous allez devoir suivre un petit cours de maman, parce que ça, c'est à l'envers, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel pins, pauvre garçon. Ah, une minute, attends, je le change là. Non, je le prends. Allons-y. Ah oui, prends-le. Parce que tu es plutôt maltraité ici, hein. Excusez-moi. Hein? Pourquoi mal? Mal? Non, mais vous ne savez pas y faire. Prends-le, c'est ça. Non. Tiens. Ah, c'est dégoûtant. Bon, fiston, te voilà ici avec ton petit garçon. C'était ce que tu voulais, vu ton inquiétude, et tu avais bien raison. Cet enfant ne pouvait pas rester une minute de plus dans cette jungle courant un tel danger. J'imagine que ça n'a pas été facile de convaincre la maman. Non. Je lui ai fait comprendre que c'était le meilleur pour l'enfant, papa.
Oui, c'est bien. Grâce à Dieu, elle a compris. Et tu as pu le ramener. Oui, papa. Mais en réalité, Charlie est complètement retournée. C'est comme si j'avais emmené une moitié d'elle avec moi. Cela m'a fait du mal pour Charlie de l'emmener et de la laisser là, inconsolable. Et elle est toute seule? Non, non, non. Elle est avec son père. Papa, écoute. On va faire quelque chose, d'accord? On va oublier tout ça. S'il te plaît. J'ai des choses à faire maintenant. Je dois aller acheter des vêtements et aussi un lit pour le petit. Oui, oui, c'est bien, fils. On va faire ce que tu dois faire. On se verra demain avec Claudia Montero. Je t'excuse auprès d'elle, d'accord? À tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Ciao. Cette conversation n'a pas lieu d'être entre nous. D'aucune façon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Anna Julia, si toi et moi on a été mariés femmes, pourquoi on pas? On a été. C'est pour ça, parce qu'on a été. Et on l'a été très exactement jusqu'au jour où je suis montée dans l'avion et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, notre amour est mort et je suis morte pour toi et tu as décidé de refaire ta vie avec Valeria et voilà. Désormais, il faut affronter cette réalité parce que c'est notre réalité. Anna Julia. Anna Julia, attends. Anna Julia. Mais bon, Corinna, c'est aussi ma fille. Je l'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre. Hein? Il vaut mieux ne pas approfondir, Valeria. Tu sais ce que je pense de tout ça. Oui, mais en fin de compte, Reynaldo ne le sait pas, Corinna. Il ne le sait pas. C'est encore pire. Parce que imagine s'il a découvert qu'il aime toujours Anna Julia. Je ne veux même pas penser au moment où il apprendra qu'Andrea est sa fille. Tu me raconteras. C'est le début de la fin, Valeria. Ouh, oh, qu'est-ce qu'il est lourd. La photo, regarde, André. Cheese. Regarde. Ah, ils m'ont attrapé. Hey, André, mais c'est ce qui manque à cette maison, qu'on gambade dans le jardin et qu'on la mette sans dessus dessous. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ce n'est pas toi qui nettoie et qui ramasse le foutoir que ces enfants laissent après avoir joué. Ah oui. S'il te plaît, André, arrête André, de te plaindre. Dis-moi plutôt que ces cousins ne sont pas des anges. Ce sont des anges. Allez, regarde, mon petit. Des anges. Regarde-moi. Une photo. Une photo. Voilà. Petit, regarde-moi. Voilà. Regarde-moi. Écoute, Sébastien, je voulais te dire une chose, mon amour. Je profite que tu aies ramené le petit André pour vivre avec nous à la maison, pour me mettre sous tes ordres, parce que, tu sais, Madame Paola est difficile, elle est très jeune, elle n'a pas d'expérience, et moi, par contre, je t'ai élevée. Merci, ma belle. Je sais qu'il n'y a pas meilleur nounou que toi, mais tu en as assez avec tout le travail de la maison. Je pense que je prendrai une autre domestique. Bon, Sébastien, je vais te la chercher, alors. J'espère qu'André va s'adapter, tu sais, parce qu'il est très difficile de substituer l'amour donné par la mère. Alors, après que tu aies très bien lavé les tétines et bien rincé, tu vas les mettre dans le stérilisateur. Voilà, d'accord? Et alors après, tu appuies sur ce bouton, hein? Et le programme commence automatiquement. Tu as compris? Allô, Yurema, tu es là? Ah, mais bien sûr, Martina, j'ai compris. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous m'expliquez tout ça. Puisque j'ai clairement entendu Monsieur Sébastien lorsqu'il disait que... Ah, toi qui écoutes quelque chose, c'est vraiment étonnant. Par contre, le nettoyage des tétines, tu n'as rien entendu, hein? Ça ressemble à du commérage. Qu'est-ce que tu as entendu? Vas-y, raconte. Bon, que Monsieur Sébastien a dit qu'il allait faire appel à une domestique pour qu'elle s'occupe d'André et moi, j'en ai une. Qu'est-ce que vous en dites? Oui? Oui. Ce qui se passe, c'est que j'ai une cousine qui vient juste d'arriver de province. Elle m'a justement téléphoné parce qu'elle cherche du travail. Qu'en pensez-vous? Mais si ce n'est qu'une commère comme toi qui écoute les conversations des autres derrière les portes... Non, Martina. Elle n'est pas du tout comme ça. C'est une jeune fille bien, sérieuse, responsable, travailleuse. Allez, Martina, je peux lui dire qu'elle vienne vous voir demain? Ma fille, ce n'est pas la même chose que pour un animal. Confier à un enfant, c'est quelque chose de très délicat, Yurema. Bon, mais c'est justement pour ça que je suis en train de vous la recommander. Allez, on va faire une chose. Mettez-la à l'essai pour voir ce que vous en pensez. Allez, Martina, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler. Je peux lui dire qu'elle vienne demain?
Allez, Martina, s'il vous plaît, dites-moi oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et alors, champion? Hein? Première nuit de biberon avec papa et tu vas le laisser sur la touche, hein? Tu n'en veux pas? Tu veux le biberon? Bon, et alors, mon petit père, tu ne veux pas du biberon? Tu te souviens de l'oncle Reynaldo? À la clinique. Bon, tu ne veux pas qu'il te soigne, n'est-ce pas? Alors prends ce biberon. Sinon, demain, il n'y aura pas de piscine. Tu en veux? Allez, prends-le, voilà. Et il a aimé son nouveau berceau. Bon, c'est l'heure de dormir. Ah, petit bout de chou. Tu dois énormément manquer à Charlie. J'imagine que ça doit être dur pour une mère de quitter comme ça son enfant. Moi, qui ne suis que sa marraine, j'ai déjà beaucoup de peine. Mais tu devais le faire, ma grande. J'ai le souffle coupé, ma grande. Je ne peux pas respirer. Je ne sais pas si réellement je pourrais le supporter. Tu vas le supporter, Chari. Tu sais, André doit être très bien. Pense à ça. Et il est hors de danger. Je sais pas, ma grande. Je sais pas si ça peut m'aider à me réconforter. Là, tout de suite, j'ai une énorme envie de le serrer dans mes bras et de l'embrasser. Il me manque beaucoup, Margarita. Je peux pas être loin de mon enfant. Imagine-le aimé et protégé, parce que s'il y a bien une chose qu'on doit reconnaître, c'est que Sébastien est un bon père. Ne te mets pas dans cet état. Tu te fais du mal. Pense à ça. Pense qu'il est bien là-bas, tu sais. C'est bien, champion. Moi, je sais à quoi tu penses. Pour aujourd'hui, le petit prince dormira avec papa, d'accord? Viens, mais reste sage. Ah, tu vas dormir avec nous, oui! Tu vas dormir avec nous. Je vais dormir avec mon fils et toi, tu dors dans la chambre d'amis. Est-ce que c'est clair? Oh, arrête, Sébastien. Mais pourquoi tu me traites de cette façon? Je posais juste la question. Moi aussi, je veux dormir avec vous, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi qui dors. Bonsoir, jolie madame. Bonsoir, Caillot. Comment vas-tu? Plutôt bien. Et maintenant, encore mieux quand j'écoute ta voix. Dis-moi, comment ça s'est passé? Tu as pu revoir tes anciens amis? Vraiment, ça a été agréable de se souvenir du passé et de voir de vieux amis. Mais au final, comment vas-tu? Quand est-ce que nous allons nous réunir? Sébastien est revenu? Ouais, il est rentré. Alors, on n'a plus d'excuses pour ne pas nous voir. Et ce ne sera pas une réunion, mais un rendez-vous. Je t'appelle tôt demain matin pour qu'on s'accorde sur l'heure, d'accord? Ça me paraît bien. Fais attention à toi, Caillot. Bisous. Reste calme. Il est arrivé? Les jours de Caillot sont vraiment comptés. Et pour tout ce qu'il nous a fait de mal, il va payer. Que Dieu t'entende. Bien sûr. Bien sûr que je vais avoir d'excellents souvenirs. Mais toi, tu vas avoir de très mauvais moments, Caillot. Amour? Monsieur Reynaldo est-il là? Amour, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Tu es ailleurs? À quoi es-tu en train de penser? À rien. Ne fais pas attention à moi. Mon amour, dis-moi la vérité, allez. Quelle qu'elle soit, ce qui t'arrive, mon cœur. Écoute, tu as été comme absent, distant. On va faire un truc. Écoutez, si vous voyez un mari romantique, charmeur, passionné par ici, pouvez-vous lui dire que cette dame, ici, le recherche frénétiquement? Ah, sérieusement, mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été comme absent, vraiment. Bon, si
Si je veux être sincère avec toi, je sais ce qui t'arrive. Oui, je sais que tu as été très affectée par le retour d'Anna Julia, non ? Je t'ai vu là jouer avec Andrea. Alors je me suis imaginé ce que serait notre vie aujourd'hui si Andrea Carolina avait été notre fille. Salut, Frangine. Maro, salut. Ça va ? J'ai l'impression que je t'ai surprise dans tes pensées, ma belle. Valéria, que puis-je te répondre ? Bon, mon amour, je le sais, ça ne me surprend pas. D'ailleurs, je dirais qu'en fait, je le comprends. C'est normal que, et absolument logique, que tu passes par des moments de confusion, que tout ça t'affecte, et surtout de la façon dont vous êtes séparés tous les deux. Oui. C'est vrai, et pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ça, mais en réalité, ça n'a pas été facile pour moi. Je le sais, mon amour. Je te jure que je comprends. Mais voilà, je pense que d'une certaine façon, toi et moi, ensemble, avec notre fille, nous devons surmonter tout ça. Vraiment, je suis avec toi dans les bons et les mauvais moments, mon cœur. Et je te promets, mon cœur, je te promets qu'on le surmontera. D'accord ? Allez. À quoi pensais-tu ? Ne me dis rien, je le sais. À ma jolie petite nièce ! Comment va notre bébé ? Ah, elle va bien, Sorette. Je suis amoureuse de ma fille. Amoureuse. Ça valait la peine de ne pas perdre espoir, d'être un jour maman et mon rêve est devenu réalité avec cette merveilleuse fille. Bien sûr, Anna Julia. J'adore t'entendre parler comme ça. Tu as l'air tellement émue. Énormément. C'est que j'explose littéralement de bonheur, ma sœur. J'ai tellement de projets pour ma fille. Avec ta fille et avec Roquet, j'imagine, n'est-ce pas ? Tu lui as parlé ? Il t'a appelé ? Tu lui as raconté pour l'enfant ? Non. Non, il ne... Ah, d'accord. Il ne sait pas encore. Maroja, mais tu ne sais pas à quel point il me manque, mon Indiana Jones. Hein ? Indiana Jones ? Oui, mon Indiana Jones, son chapeau. J'ai oublié à quoi tu ressemblais, Caracas. Que c'est bon de te revoir enfin. Si longtemps sans Caracas, sans fouler ma terre. Ça me fait bizarre de marcher sans mou sous mes pieds. Et j'avais aussi oublié que la capitale est pleine de policiers. Sébastien, dis-moi comment ça se fait que Shari t'a laissé André. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Oui, Ray. Ça peut te sembler un peu bizarre, mais l'enfant va venir vivre avec moi. Je l'ai ramené de la grande sabana. Tu vas élever ce garçon tout seul ? Bon, ce n'est pas rien, mais toi tout seul ! Tu sais ce que c'est que d'élever un enfant ! Ce n'est pas comme... comment tu dis ? Ce n'est pas aussi simple que de faire du marketing ! Vraiment, Sébastien, je suis d'accord avec Juancho, tu sais. En plus, tout seul, sans sa maman... Ce n'est pas la même chose. Bon, c'est vrai que c'est un vrai drame que la maman n'est pas avec cet enfant. Mais ne t'en fais pas, il ne manquera pas de bras pour le porter. Il peut déjà compter sur moi. C'est vrai. Mais qu'est-il arrivé à la petite aveugle ? Pardon, elle s'appelle Shari, c'est ça ? Oui. Il semblerait qu'elle ait des problèmes. Bon, le problème, c'est que la mère ne peut pas prendre en charge l'enfant. Et elle et son père ont de sérieux problèmes, et Sébastien, en vrai gentleman et homme responsable, veillera au bien-être de son garçon. Il a tout mon soutien dans cette tâche. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose d'étrange derrière tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Sébastien. Voyons voir. Shari aime son petit André. Alors elle te le laisserait comme ça. C'est quoi le problème derrière tout ça ? Bon, Ray.
Ici, il n'y a rien d'autre à expliquer. Simplement que ton frère veillera sur ce garçon sans sa mère. Et Paola, en véritable ange, a accepté de le soutenir et d'élever ce garçon avec lui. Point à la ligne, on n'en parle plus. L'important, c'est que cet enfant soit un Gabaldon. Fils de Sébastien et mon petit-fils. Nous devons tous le soutenir, alors continuez de manger. Mon père! Ma fille! Mon bon père! Bonjour! Oh, quel bonheur de vous voir! Et moi, c'est une joie de te voir comme ça, ma puce. Si énergique et si vitale. Réellement, j'ai cru que j'allais te retrouver différemment. Vous n'allez pas me croire, mais je pensais très fort à vous. Depuis que je me suis levée, je pensais à vous. Oui, je le sais, je le sais. Tu as apporté des cierges à la Vierge. À la Vierge. Je dois tous les nards du monde à la Vierge, mon père. Oui. Pour le miracle qu'elle a réalisé. Oui, Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Que tu rentres pour retrouver ce miracle. Bien en vie, ma fille. Oui. Oui. J'arrive, une minute. Bayardo. Du calme, t'es pas en train de voir un fantôme, hein? Mais bon, on avait dit que tu m'appellerais au téléphone. Oui. Que fais-tu ici, à Caracas? Oui, ça va, du calme, embrasse-moi d'abord, parrain. Hein? Et par ici, et la bénédiction aussi. Est-ce que tout? Merci, merci. Bon, que fais-tu ici à Caracas? Je vais te le dire, hein, je vais tout expliquer. Tu penses que mon père est arrivé à Caracas? Bon, à cette heure-ci, il doit être arrivé au terminal. Ah, ma grande, je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer quand ces deux-là se rencontreront. Je ne veux même pas y penser. Et mon enfant, Margarita, comment a-t-il pu passer sa première nuit sans moi? Moi, je n'ai pas pu dormir parce que bon, c'est la première fois que je dors sans mon fils et je me suis jamais séparée de lui. Bon, j'espère qu'il a passé une meilleure nuit que toi. Qu'il n'a fait que pleurer. Bon, et pleurer. Que voulais-tu que je fasse, Margarita? Tu crois que j'ai une bonne raison de dormir en paix? Non, pas une. Regarde, prends. Tu ne peux pas rester comme ça, Charlie. Non, Margarita, n'essaye pas de me consoler, vraiment. N'essaye pas de me consoler parce que ça ne servira à rien. La vie m'avait déjà laissée dans le noir quand je suis devenue aveugle, mais désormais, elle m'a plongée dans le silence. Margarita, je dois prendre de ses nouvelles. Je ne peux pas rester avec cette angoisse, cette inquiétude. Je dois parler avec Sébastien et qu'il me dise comment va mon fils. Je dois parler avec lui. Paola, de quelle façon as-tu mis sa couche? Non, regarde. Viens. Regarde. Premièrement... Voilà, il faut lui enlever la couche. Tu prends la couche, d'accord? Tu l'ouvres, tu la mets ici. Tu lèves les jambes du petit Mo et tu la mets en dessous. D'accord? Tu lui ouvres un peu les jambes, vers le bas, et tu lui relèves devant. D'accord? Et maintenant, tu fermes. J'avais fait n'importe quoi, mon Sébastien. Je t'arrange ça, regarde, ça va. Regarde, tu vois. Voilà, comme ça... Regarde, Andrew! Regarde! Tu vois, mon petit père, voilà. Tu vois? Mets-lui sa pression, comme ça. Tu vois? Tu as compris? Voilà, c'est ça, plus ou moins. Je ne suis pas non plus un expert. Regarde, je te jure, je te le promets que la prochaine fois, je le ferai bien. Mais là, je dois partir, mon père m'attend à l'écurie. Prends, Drew, je ne... Oh. Écoute, bon, je suis désolé. Ton père doit être en colère après ce qui s'est passé, pas vrai? Oh, chut, Sébastien, ne dis plus rien, s'il te plaît. Je vais calmer mon père... Et je vais lui expliquer comment je vais seconder mon époux dans l'éducation de cet enfant qui n'est pas le mien. Merci, Paola. Du calme, tu n'as pas à me remercier. Fais-moi un bisou. Oh, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est oublier cette fille, Sébastien. Fais-moi un bisou, Andrew.
Je vais voir mon père qui est très en colère. Bisous. Je t'aime. Au revoir. Ah, la couche tombe. Bon, c'est bon. Maintenant, oui, on va parler tous les deux, d'accord? Que se passe-t-il? Quel est le problème de Charrier de son père? Et voilà, Omar, que Charrier est tombée amoureuse. Rien de moins que d'un garçon de riche. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans tout ça? Bon, mais tu connais ces gens, Omar. Ils veulent tout savoir et bon, ils ont enquêté sur nous. Et voilà qu'ils sont tombés, bon, sur le dossier qu'a monté contre moi Caio Gabaldon. Ah, ok, c'est pas possible. J'espère vraiment que c'est pas vrai. Si. Ça sent mauvais, ça. Non, mais ce n'est pas le pire. En plus, il se trouve que ce belâtre, a utilisé ce prétexte pour retirer la garde à Charrie. Qu'est-ce que tu racontes, fiston? Oui. Ils ont retiré la garde à Charrie? Oui. Mais bon, ce n'est pas si simple, mon garçon. Ce n'est pas si simple. Il doit y avoir une procédure. Et en plus de ça, la loi privilégie forcément la maman avant tout, ok? Oui, mais souviens-toi que justement, la loi n'est pas de notre côté, Omar. Mais de toute façon, il a convaincu Charrie que l'enfant était en danger. Et bon, il l'a pris, pas vrai? Et il pense que ça suffit comme ça, mais il se trompe, tu me comprends? Je vais aller chez ces gens, je récupérerai Andrés Bayardo. Tu comprends? Je ne pars pas d'ici sans mon petit-fils. Écoute, Ray, c'est leur problème. Je fais ce qui m'incombe de faire, veiller sur mon fils. Écoute, Sébastien, comment ça c'est leur problème, hein? Frangin, tu m'excuseras, mais je ne vois pas Charrie te donner l'enfant aussi facilement. Hein? Mais ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mais il doit se passer quelque chose, non? Je ne sais pas. Charrie adore André. Bon, ça tu le sais. Tu l'as vu, non? Tu as vu dans quel état elle était quand il est tombé malade. Écoute, Rinaldo. Je te remercie de t'inquiéter, mais... Les problèmes de Charrie et de son père sont les leurs, tu comprends? Je sais que vraiment... Que Charrie doit être très mal, mais je devais sauver mon fils. Le sauver de quoi, Sébastien? Pourquoi? Stop. Je vais chercher de l'eau pour mon fils. Non. Attends, frangin. Un instant. Stop. Parle-moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je fais ce que n'importe quel père ferait à ma place. Protéger mon fils. J'ai la certitude que ce Rock est derrière tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et Anna Julia, c'est peut-être ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Valeria m'a demandé un peu de temps. Elle a dit qu'elle devait préparer Reynaldo pour tout lui avouer. Et j'ai accepté. Oui. En fait, je ne te juge pas. Mais il faut aussi prendre en considération combien de temps elle t'a demandé. Bon non, elle ne m'a pas précisé quand. J'espère que ce sera peu de temps. Parce que ce que je désire le plus, c'est que ce soit rapide pour que très rapidement je puisse récupérer ma fille, mon père. Oui. Bien sûr, la foi est importante. Mais je vais te dire une chose que je considère une obligation, ma fille. Alerte. Sois très vigilante. Seulement ça. Et je te prie de m'excuser, mais j'ai des choses à faire. D'accord? D'accord. Et vous ne pouvez pas partir sans me donner la bénédiction pour que tout marche comme je veux? Bien sûr, ma grande. Que Dieu me la bénisse et me la protège. Mon bel ange. Oh, merci du fond du cœur, mon père. De rien. Prends soin de toi. Merci. Merci. Bayardo. Tu dois penser à tout ça en prenant du recul. Ne fais pas de bêtises. À la tienne. À la tienne. Merci, Omar. Je n'ai absolument aucun plan, tu entends? Ce que je dois faire, c'est aller là où vit cette famille et ce Sébastien et ramener mon petit-fils comme ça, sous le bras. Voilà, c'est tout. Mais tu dois te souvenir que tu es à Caracas et qu'il y a ici une grande quantité de charges contre toi et en même temps plusieurs avis de détention. Toi, si tu traverses une rue et que tu la traverses mal, un policier t'arrête et tu te prends à coup sûr 30 ans de prison. Ouais, t'inquiète pas, car j'essaierai bien de traverser la rue quand le petit bonhomme est vert. Bon,
Et dis-moi, où vit cette famille? Quelque part à Caracas. Au Country Club. Ah non. Ok, oublie tout de suite. Tu sais qu'ils ont enquêté sur toi. Et s'ils ont enquêté, la police est forcément au courant de tout. Et si tu t'approches de cette maison ne serait-ce que d'un millimètre, en 5 secondes, tu auras 10 patrouilles autour de toi, Bayard. Du calme, parrain, du calme, stop. Je verrai bien ce que je vais faire, du calme. Ah, mais ne sois pas têtu, mon grand. Ne sois pas têtu. Prends ton temps. Regarde, là, à côté, tu trouveras une chambre avec une salle de bain. Prends une douche, repose-toi. Remets tes idées en clair. Tu peux faire tout ce qu'il te plaît. Mais ne t'expose pas, Bayardo. Ne t'expose pas, parce que sinon, tu ne verras plus jamais ton petit-fils. Plus jamais. Tu laisseras ta fille Andréina complètement désemparée. Écoute, parrain. Quoi? Tu prêtes un téléphone? Oui, oui, bien sûr, de même. Tu le vois? Là. Il est là. Donne-moi. Comment ça marche, ce truc? Fais le numéro. Ah, voilà. Là-bas, on voyait pas ces choses-là. Allô? Chouyou. Mon amour. Je suis contente de t'entendre. Oui, Chouyou, moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre, Mathieu. C'est bizarre que tu ne m'aies pas appelé avant. Bon, non, j'avais essayé de t'appeler avant, mais je n'ai pas pu. Bon, je n'ai pas réussi. Pas réussi à jouer. Écoute, mais j'ai une énorme envie de te voir, Machuyu, Marocaine. Je meurs d'envie de te voir, mon amour. Mais en fait, mon affaire n'est pas encore terminée. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras. Bon, j'espère bien, tu sais. Ou j'espère bien, moi aussi, Machuyu, parce que tu sais quoi? Je suis très, très proche de toi, hein. Beaucoup plus que tu n'imagines. Comment? Roque, où es-tu? Bon, Machuyu, je suis tout près de toi. Je suis à Caracas. Je suis à Caracas. Mais pour être tout à fait exact, je suis chez mon parrain, Omar Arojo. Hein? Quoi? Non. Ok, vraiment? Aussi vrai que je t'aime comme un déjanté. Non. C'est... Comment es-tu arrivé ici? Plus tard, Chuyu. Oui, et écoute, tu as vu Sébastien? Non, je ne l'ai pas vu depuis que nous sommes rentrés de la Grande Sabana. Pourquoi? Un problème? Écoute, je t'expliquerai. Je t'explique après, hein. Où es-tu? Je viens te chercher en taxi. Non, je... Comment... Je suis au Terrasas de Aguila. Terrasas de Aguila? Non, donne-moi l'adresse pour ne pas courir de risque. Avenue... Il se trompe lourdement s'il pense que je vais rester les bras croisés à attendre que ça se passe. Non, monsieur. Aujourd'hui même, je vais enquêter. Je vais enquêter sur Anna Julia, comme par exemple son soi-disant amant qui vit dans la jungle. Parce que cet homme sera la solution à mes problèmes. C'est comme ça, c'est tout. Point final. Et hop. Cette nuit... Mon Dieu, merci pour ce grand cadeau! Ah, n'exagérez pas! Parce que je viens souvent nettoyer ici. Josepha, qui a dit que je parlais de toi? C'est pas toi. C'est parce que je vais voir une personne très importante pour moi. Très importante. Oui, très importante. Et je vais me préparer car il arrive tout de suite. Ah, et je dois préparer quelque chose? Oui. Oui, je veux. Je veux un déjeuner pour trois. Pour trois? Madame Anna Julia, Madame Marouja... Madame Anna Julia, Madame Marouja, Madame Anna Julia... Madame Anna Julia, Madame Marouja... Roque. Roque? Il est beau? Ce Roque est-il beau? Vous êtes amoureuse? Je ne sais pas. Roque. C'est cet homme, paraît-il, qu'elle a laissé dans la jungle. Ah, Misra, là, tout bronzé.
Ah oui, je veux le voir tout de suite. Bien sûr que je l'ai lavé et brossé puisque j'arrive très tôt le matin. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas parfaitement propre, baigné et peigné. C'est de ta faute, lave-bête. Tu vois, tu ne sais même pas brosser un animal. C'est pas la peine de crier, ok? Et si vous voulez le relaver, allez-y, faites-vous plaisir. Ah oui? Et sur quoi je vais monter, crétin? Sur un âne? Je peux vous préparer une autre jument, si vous voulez. Je ne veux pas d'une autre jument. Je veux la mienne, parfaitement propre. Non, 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 non. Mais oublie ça. C'était ton dernier jour de travail ici, car cette écurie est à mon père. Et il me suffit de lui demander qu'il te mette dehors pour que tu te retrouves à la rue, immédiatement, sans boulot. Qu'est-ce qui se passe, Paola? Papa, papa, ce laveur de bêtes, en plus d'être méprisant, ne fait pas correctement son travail. Regarde, regarde dans l'état où est ma jument. Tu dois le mettre dehors immédiatement. C'est que ce sont les choses de la vie, mon fils. Tu voulais revenir et t'établir à nouveau ici, et ton désir va être exaucé. Ton poste est vacant si tu veux le reprendre. Je ne sais pas si tu sais qu'Arturo a démissionné. Oui, bon, on va voir, papa. Écoute, pour moi maintenant, je veux consacrer du temps à mon fils. Au moins jusqu'à ce qu'il s'adapte au changement. En ce qui concerne Paola, je veux pas en parler. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait. Mais elle s'entend à merveille avec l'enfant, je le vois, je m'en rends compte. En plus, souviens-toi que pour que tu réussisses à obtenir la garde de l'enfant, ils vont exiger que tu aies un foyer légalement constitué. Alors tu devrais reconsidérer ta relation avec ta femme. Je ne sais pas. Je ne te garantis rien. Allez, fiston, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Courage! C'est en nageant qu'on apprend à nager, fiston. Et on n'en parle plus. Tu restes ici avec ta femme et ton fils. Tu ne m'as pas raconté? Et Claudia Montero, elle n'est pas si ridicule, hein? Non. Tu avais tout à fait raison, fiston. J'ai bien regardé son curriculum et vraiment, elle mérite un bien meilleur poste. Je m'en vais parler à Aldo. Pour voir si on arrive à un accord qui soit bénéfique pour l'entreprise. Quel est le problème, hein? Il semble que votre fille n'apprécie pas ma présence ici, monsieur. Que je n'apprécie pas? Si ce n'était que ça, crétin! Papa, tu dois immédiatement mettre ce manœuvre dehors, c'est un incompétent. Et en plus d'être méprisant, regarde, regarde ma jument, elle est toute sale, papa, mets-le dehors! Patron, je suis désolé si j'ai causé un quelconque problème. Et si c'est vraiment ce que vous désirez, alors je m'en vais sur le champ. Bon, bon, ça va, Benjamin. Laisse-moi seul avec ma fille, s'il te plaît. N'imagine pas que je vais renvoyer Benjamin, ma grande. Quoi? Non, arrête, papa. Franchement, si c'est moi qui te le demande, tu dois mettre cet employé dehors. Mais pourquoi? Explique-moi. C'est seulement parce qu'il ne te plaît pas? Papa, il est méprisant. Et s'il y a une chose que je ne supporte pas dans la vie, c'est un pauvre aigri. Écoute, pour ton information, Benjamin est le nouveau chef de mon écurie. Le meilleur que j'ai eu depuis longtemps. Le chef? Oui, le chef. Et tu vas donc lui faire tes excuses pour lui avoir manqué de respect. Moi? Charlie, je ne demanderai pas à Sébastien des nouvelles de ton père. S'ils se sont vus, bon, il me le dira tout de suite. Sinon, c'est mieux de ne pas lui demander parce qu'il est possible que ton père ne soit pas encore arrivé. Dépêche-toi. Allô? Allô, Sébastien? Salut, c'est moi, Margarita. Écoute, je te passe Charlie qui est ici avec moi. Attends, attends, voilà, voilà. Sébastien? Oh, comment va mon fils? Comment a-t-il dormi? Comment va-t-il? Bon, plus ou moins bien. Il a été un peu capricieux pour manger hier et il ne voulait pas dormir dans le lit que je lui ai acheté. Alors il a dormi avec moi dans la chambre. Mais bon, il est là. Il s'amuse avec des jouets. Passe-le-moi au téléphone, s'il te plaît. Charlie,
Je suis vraiment désolé, pardon. Mais je... Je ne vais pas te le passer. Pourquoi pas, Sébastien? Pourquoi tu ne veux pas me le passer? Non, Charlie. Je suis désolé. Sébastien, pourquoi tu ne peux pas me passer mon enfant? Je veux absolument l'entendre. Salut. Salut, comment vas-tu, Anna Julia? Bien, monsieur Arojo, merci. Non. Mon amour. Je ne peux pas croire, tu es là. Attends une minute. Hé, ne me dis pas qu'elle n'est pas superbe, parrain. Oui, elle est très belle, elle est très belle, Bayard. Oui, oui. Écoute-moi, reste seul, oui, s'il te plaît, d'accord? S'il se passe quelque chose, tu m'appelles de suite. Je suis à ta disposition, oui. Ok? Oui, 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 ne t'inquiète pas, parrain. Allez, bien, à très bientôt. De toi. À très bientôt. Rock. Ok. 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 Mon amour, et comment vas-tu, Mathieu? Heureuse. Surprise. Vraiment, écoute, tu es encore plus belle qu'avant. Oui. Oui. Et toi, la ville te rend vraiment séduisant, vraiment. Tu trouves? Oui, mon ange. Mais laisse-moi te serrer dans mes bras. Laisse-moi te sentir, mon amour. Je ne peux pas y croire. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Je ne pensais qu'à toi, tu sais. Pour voir ces jolis yeux, tu sais. Ceux de ma toute petite femme. Ceux de la femme que j'aime. Que responder a tanta inspiración y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de todo.